Bonjour, on continue le cours avec le chapitre 6 qui porte sur les coûts partiels qui vont nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Dans le chapitre précédent, vous avez appris à faire la distinction entre une charge variable et une charge fixe. Une charge variable évolue proportionnellement à l'activité, alors qu'une charge fixe est attachée à une structure de production. Vous avez également appris à apprécier le comportement des charges par rapport à l'activité, que ces charges soient données au niveau global ou au niveau unitaire. Vous avez également appris à réaliser un compte de résultat différentiel. Et enfin, vous avez vu que la méthode des coûts partiels qui a été étudiée présente un certain nombre de limites. Parmi les limites de la méthode du coût variable, il y a le fait que cette méthode repose sur une hypothèse simplificatrice, à savoir le fait que le coût variable unitaire est supposé constant, alors que dans la réalité, ce coût variable unitaire a tendance à diminuer lorsque l'activité augmente. C'est ce qu'on appelle un phénomène de rendement croissant. Pour autant, même si la méthode présente certaines limites, elle est très utilisée, notamment dans les entreprises commerciales, à des fins prévisionnelles. En effet, les entreprises commerciales, comme toute entreprise, ont pour objectif de réaliser du bénéfice, eh bien elles ont besoin de se projeter dans l'avenir, et grâce à la méthode du coût variable, elles vont pouvoir évaluer à titre prévisionnel le chiffre d'affaires minimal qu'elles devront réaliser afin que le résultat de leur activité soit bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Reprenons les bases de la méthode du coût variable. Le coût variable d'une activité est constitué, je vous le rappelle, par l'ensemble des charges variables engagées pour réaliser cette activité. Il peut être exprimé soit en valeur, en additionnant toutes les charges variables, soit plus simplement en pourcentage du chiffre d'affaires, puisque, je vous le rappelle, les coûts variables sont proportionnels au chiffre d'affaires. Pour exprimer le coût variable en pourcentage du chiffre d'affaires, on fait coût variable divisé par chiffre d'affaires, ce qui nous donne un élément qui est inférieur à 1, et pour l'exprimer en pourcentage, vous faites fois 100 sur la calculatrice. La détermination du coût variable permet à l'entreprise de calculer sa marge sur coût variable, qu'on note MCV, en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable précédemment obtenu. L'entreprise peut alors calculer son taux de marge sur coût variable en faisant le rapport entre la marge sur coût variable qu'elle a obtenue et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Grâce au taux de marge sur coût variable, qui est exprimé en faisant marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires, on va pouvoir exprimer la marge sur coût variable en fonction des deux autres éléments. Alors réfléchissez un petit peu, comment est-ce que vous pouvez exprimer la marge sur coût variable en fonction du taux de marge et du chiffre d'affaires? J'espère que vous avez trouvé, il faut bien évidemment faire marge sur coût variable est égal à taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires. En présentant son compte d'exploitation différentielle, qu'on appelle également plus communément compte de résultat différentiel, eh bien l'entreprise va pouvoir déterminer son résultat analytique. Vous vous rappelez de ce qu'il y a dans un compte de résultat différentiel? Sur la première ligne, on inscrit le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ce chiffre d'affaires doit toujours être considéré hors taxe, puisque la TVA n'impacte pas l'entreprise. Pour calculer le chiffre d'affaires, vous prenez la quantité vendue multipliée par le prix de vente des articles. Dans la troisième colonne, j'ai fait apparaître 100%, car on va essayer d'exprimer les éléments, à savoir le coût variable et la marge sur coût variable en pourcentage du chiffre d'affaires. Mais là, puisqu'on est sur la ligne chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires représente 100% de lui-même. C'est pour ça que j'ai écrit 100%. Ensuite, on fait apparaître les charges variables de l'entreprise. On vous donne généralement plusieurs composantes de charges variables, parmi lesquelles les matières premières, les charges variables de production, les charges variables de distribution. Ces éléments vous sont donnés généralement au niveau unitaire et il faut les multiplier par les quantités pour trouver le coût variable de l'entreprise. Ce coût variable peut lui-même être exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires en faisant coût variable divisé par chiffre d'affaires et en faisant fois 100 sur la calculatrice si vous voulez. Retrouver un montant exprimé par rapport à 100. En faisant chiffre d'affaires moins charge variable, vous obtenez la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable peut elle-même être exprimée en fonction du chiffre d'affaires. En faisant marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires, on trouve ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Enfin, pour trouver le résultat analytique de l'entreprise, on enlève les charges fixes et en faisant marge sur coût variable moins charge fixe, on obtient le résultat analytique. On cherche maintenant à exprimer le résultat comme une fonction du chiffre d'affaires. On sait que le résultat, comme on vient de l'indiquer, se calcule en faisant marge sur coût variable moins charge fixe. Or, on sait également que le taux de marge sur coût variable est égal à marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires,
ce qui nous a conduit à exprimer la marge sur coût variable en faisant taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires. Eh bien, on va remplacer l'expression de la marge sur coût variable dans l'équation précédente et on va obtenir une équation du résultat qui sera fonction du chiffre d'affaires. Cela nous donne résultat égal taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins charge fixe. Essayez de bien mettre en valeur cette formule parce qu'elle sera utile pour utiliser le modèle du coût variable et prévoir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Application avec l'entreprise Biopomme, qui est productrice de bouteilles de jus de pomme bio. Elle vous fournit les données prévisionnelles relatives à son activité pour l'année N+1. Le prix de vente unitaire d'un jus de pomme est de 2 euros hors taxe. Elle vous fournit un certain nombre d'éléments sur son activité. Elle vous dit que les ventes prévisionnelles pour N+1 s'élèveront à 150 000 bouteilles, que les achats de matières premières et autres charges variables s'élèveront à 1,2 euros par bouteille et que les charges fixes, loyer, dotation aux amortissements, etc., s'élèveront à 80 000 euros hors taxes. On vous demande de remplir le compte de résultat différentiel en mettant bien le détail des calculs, les montants et en calculant le cas échéant combien représente ce montant dans le chiffre d'affaires hors taxes. C'est maintenant le moment de faire une pause et de faire l'application. Ne regardez pas la solution avant d'avoir essayé, ce serait quand même dommage. Bah alors, je vous ai dit de faire pause, vous m'écoutez pas ou quoi? Il faut faire pause, vous voulez que je vous montre où est le bouton? Il faut que vous fassiez l'exercice vous-même, il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Donc faites pause, essayez de remplir le tableau, je vous donne un indice, vous devez trouver un résultat de 40 000 à la fin. Et quand vous avez trouvé votre résultat de 40 000, vous remettez en route la vidéo. Correction de l'application, vous avez normalement trouué un chiffre d'affaires de 300 000 euros, c'est-à-dire 150 000 bouteilles multipliées par 2 euros la bouteille. Les charges variables s'élèvent à 1,2 euros par bouteille, on multiplie également par les quantités, ça vous donne 180 000 euros de coût variable. La marge sur coût variable s'obtient en faisant 300 000 moins 180 000, ce qui vous donne 120 000 euros. On aurait aussi pu retrouver la marge sur coût variable en prenant la marge sur coût variable unitaire réalisée sur une bouteille, c'est-à-dire 2 moins 1,2, ça fait 80 centimes par bouteille, et en multipliant par 150 000. On peut exprimer ces montants en pourcentage du chiffre d'affaires. Évidemment, le chiffre d'affaires représente 100% de lui-même. Le coût variable représente 60% du chiffre d'affaires, montant que j'ai obtenu en faisant 180 000 divisé par 300 000. Et le taux de marge sur coût variable est obtenu en faisant 120 000 divisé par 300 000, soit 40%. Il nous reste à enlever les charges fixes de 80 000 euros pour trouver le résultat réalisé par l'entreprise de 40 000. Une fois qu'on a compris les bases du modèle du coût variable et le fonctionnement d'un compte de résultat différentiel, on va pouvoir déterminer le seuil de rentabilité d'une entreprise. Par définition, le seuil de rentabilité, c'est le niveau minimum d'activité que l'entreprise doit réaliser pour couvrir exactement l'ensemble de ses charges. Ce que je vous ai représenté ici par une notion d'équilibre, vous avez le chiffre d'affaires qui va couvrir exactement les charges, et lorsque le chiffre d'affaires couvre exactement les charges, à combien est égal le résultat ? Eh bien à zéro. On peut donc noter qu'il correspond au montant du chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice, soit un résultat égal à zéro. Ce seuil de rentabilité peut également être appelé seuil de profitabilité. En réalité, on devrait l'appeler seuil de profitabilité parce que la rentabilité, c'est une notion qui désigne le rapport entre un résultat et des capitaux engagés pour obtenir ce résultat. Donc en fait, on ne parle pas vraiment de rentabilité ici. On parle de la capacité de l'entreprise à dégager du profit. Pour autant, dans le vocabulaire usuel, on continue à utiliser cette notion de seuil de rentabilité. C'est pour ça que je continuerai avec le vocabulaire de seuil de rentabilité. Pour trouver l'expression du seuil de rentabilité, je pars de sa définition. La définition dit que le seuil de rentabilité correspond au niveau d'activité pour lequel l'entreprise réalise ni perte ni bénéfice. On va donc chercher un niveau d'activité qui se traduit par un niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat de l'entreprise va être égal à zéro. Ce chiffre d'affaires particulier, qui est le chiffre d'affaires qui correspond au seuil de rentabilité, je vais le noter CA étoile. C'est un chiffre d'affaires d'équilibre qui permettra d'équilibrer les produits et les charges de l'entreprise. Je pars donc de l'équation suivante. Je sais que le résultat doit être égal à zéro. Or, précédemment, on a vu que le résultat pouvait s'exprimer par rapport au chiffre d'affaires en faisant taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins les charges fixes. Cette expression est donc égale à zéro. En passant les charges fixes à droite de l'équation, j'ai donc l'équation taux de marge sur coût variable fois CA étoile égale charge fixe.
Je peux donc en déduire l'expression du seuil de rentabilité en isolant CA étoile. Alors, CA étoile est égal à quoi? Ça nous fait seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Vous avez ici l'expression du seuil de rentabilité. Le montant que vous trouverez est un montant de chiffre d'affaires, c'est donc un montant exprimé en euros. Le seuil de rentabilité précédemment trouvé est un seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire exprimé en euros. L'entreprise a également intérêt à exprimer son seuil de rentabilité en volume ou en quantité. Pour déterminer la quantité minimale à vendre pour couvrir ses charges, eh bien l'entreprise va pouvoir se servir de son seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire de CA étoile. Un chiffre d'affaires, en fait, c'est toujours le produit d'une quantité par un prix unitaire. Donc pour retrouver une quantité à partir d'un chiffre d'affaires, on fait quantité égale chiffre d'affaires divisé par le prix unitaire. Q étoile, la quantité minimum à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, est donc égale à seuil de rentabilité en valeur divisé par prix de vente unitaire. Q étoile est un montant qui est exprimé en unités et non pas en euros. On peut retrouver le seuil de rentabilité en volume d'une autre façon en faisant une autre démonstration. On cherche alors Q étoile, quantité à vendre, pour que le résultat de l'entreprise soit égal à 0. Donc comme tout à l'heure, on fixe résultat est égal à 0. Et puisque le résultat s'obtient en faisant marge sur coût variable moins charge fixe, on écrit marge sur coût variable moins charge fixe est égal à 0. Ensuite, on va essayer de faire apparaître la quantité dans cette équation. Et pour faire apparaître la quantité, on sait qu'une marge sur coût variable globale est égale à une marge sur coût variable unitaire multipliée par Q étoile. Vous pouvez reprendre l'application précédente, je vous ai fait la démonstration sur le cas Biopom. On écrit donc MCV unitaire fois Q étoile moins charge fixe est égal à 0. Et on en déduit Q étoile en isolant Q dans l'équation. Cela nous donne Q étoile égale charge fixe divisé par marge sur coût variable unitaire. Vous avez donc deux façons d'exprimer le seuil de rentabilité en volume. Reprenons maintenant les données de l'application Biopom sur lesquelles on a fait le compte de résultat différentiel. Je vais vous demander de me calculer le seuil de rentabilité en valeur de cette entreprise, puis le seuil de rentabilité en quantité. Il est donc temps de faire pause, de prendre votre calculatrice et d'appliquer les formules que l'on vient de démontrer. Pour trouver le seuil de rentabilité en valeur, que l'on note CA étoile, on fait charge fixe, à savoir 80 000 divisé par taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 40%, et on trouve 200 000, mais 200 000 euros, pensez bien à mettre les unités. Donc systématiquement, vous devez faire apparaître votre formule de calcul, les montants utilisés par le calcul et votre résultat avec des unités. Faites bien attention, car ici au dénominateur, il est noté 40%, sur la calculatrice, vous tapez 0,4. On en déduit ensuite le seuil de rentabilité en volume ou en quantité que l'on note Q étoile. On prend CA étoile que l'on a trouvé précédemment qui s'élève à 200 000 euros et on divise par 2, c'est-à-dire qu'on divise par le prix de vente puisque chaque bouteille est vendue 2 euros. Puisqu'on sait qu'on doit faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien ça veut dire que notre seuil de rentabilité en quantité s'élève à 100 000. Mais 100 000 quoi déjà? C'est quoi l'unité? L'unité correspond ici à des bouteilles puisqu'on est sur un seuil de rentabilité en quantité. Une fois qu'on a fait nos calculs, il convient d'analyser nos résultats. Est-ce que vous pourriez, avec une phrase, m'analyser les montants que vous avez trouvés pour CA étoile et Q étoile? À quoi correspondent ces montants? Un petit conseil, il faut reprendre la définition et réussir à intégrer ces montants dans la définition. En reprenant la définition, on note la signification de ces résultats. Et on peut dire que l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires minimum de 200 000 euros, c'est-à-dire vendre au minimum 100 000 bouteilles de jus de pomme, afin de ne réaliser ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire réaliser un résultat égal à 0. On aurait tout aussi bien pu écrire, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires minimum de 200 000 euros ou vendre 100 000 bouteilles pour couvrir l'ensemble de ses charges. Cela aurait également convenu. Je vous laisse noter cette analyse. Pour vérifier que vous avez compris les bases de la méthode du seuil de rentabilité, je vous ai préparé une application qui n'est pas dans le polycopier, qui vous permet de déterminer le seuil de rentabilité d'une pizzeria. Ensuite, vous pourrez reprendre la suite du cours dans les prochaines vidéos qui porteront sur le point mort, sur la détermination graphique du seuil de rentabilité et sur la fin du cours. À bientôt !